Salut tout le monde, c'est Picty et bienvenue pour ce 11e épisode sur les Herbs, permis de sortir, je dis n'importe quoi, c'était l'opus d'avant, permis de sortir les Herbs tout court. Non, c'est les Herbs, The Sims in the City. Dans le dernier épisode, je crois que j'avais encore augmenté mes compétences et un peu avancé l'histoire. Et dans cet épisode-là, on va essayer encore d'avancer l'histoire tout en upant les compétences. Je regarde ce qu'il me reste parce que je m'en souviens plus sur les indications du tableau, mais je ne peux pas le faire puisque je peux pas aller au cimetière. Il faudrait que j'aille au cimetière entre 23h et minuit pour surveiller contre Darius. Défier et battre Rocky Horror, faut que je m'améliore la moto avant ça. Ça, c'est fait. Et rembourser les frais de Roxana Moxie, on va essayer de faire ça. Ok, alors 23h. Oh putain, je peux aller au cimetière maintenant. Oh putain. Direct, j'y vais. Allez. C'est reparti. On passe direct à Darius, Guillermo Péas, il n'y a même plus besoin de le faire. Salut. Mes points me démangent. Tu te crois balèze? Ouais. Je ne penserai personne. Alors, le premier, c'était quoi? Je vais fuir l'univers du soleil avec mon haleine. Moi, je peux gagner casser un spaghetti en deux. Je me laisse que la fond dans ma bouche. Je sais même plus c'était quoi le premier. C'est celui-là ou celui-là? Ah merde, c'était... Ah non, c'était bien celui-là. Moi, les gens m'appellent Nettoyage à sec, le Larbin. Moi, les gens m'appellent le Larbin. Le Larbin. Je crois que c'était pas Nettoyage à sec. M'appelle Ringard. Le Larbin ou Ringard? Alors, on va tester Ringard. C'est vrai, bah écoute ça, je suis tellement dingue que j'ai mis un blouson rouge pour là une corrida. Moi je mange des pizzas froides au petit-déj. Moi je me suis fait pipi dessus et Molinor m'a mis à la porte de la prison. Moi je mange des pizzas froides au petit-déj. Ouais, tu fiches la trouille, et t'envoies, c'est ta tête qui va bientôt ressembler à une pizza. Ah merde! C'était le truc avec Molinaro. Eh ben, ce sera pour la prochaine fois, c'est pas grave. Ouais, je sais que t'es pas contente. Je suis désolé. Je veux rien du tout. Ah si, attends, je veux te parler de cuisine. Oh, tant pis. Bah, du journal alors. Je voudrais remonter à 50 avec toi si possible. Non. Le théâtre, non. La météo, oui. Ah, la cuisine, voilà. Parfait. Allez, on continue. Par contre, j'ai pas mis le chrono en route. Fuck me. Juste fuck me, quoi. Attendez, je fais ça 2 secondes, s'il vous plaît. Merci, c'est bon. On va dire que ça fait déjà 2-3 minutes. Je vais retourner à la maison. Je ramasse les détritus avant. Je regarde s'il n'y a pas Roxana Moxie dans le coin. Non. Allez. Oui, je sais. On est parti, on rentre à la maison. Voilà. Oh, j'ai un colis. C'est quoi, c'est le magazine DEMC2? Ah non, c'est masque de Mardi Gras. C'est de la déco qu'on me file, très bien. On va mettre ça dans la maison. Je sais pas où, tiens, ici. Ah merde, j'ai annulé. Ah non, il va aller au chiot. Oh bordel, je peux pas faire ce que je veux. Et on va aller dormir, on va le garder sur nous, ce masque. Voilà. Depuis quand, toi, quand tu vas au chiot, tu changes ta couleur de cheveux en violet? Y a moyen que ce soit pas normal, cette histoire? Ouais, y a moyen que ce soit pas normal. Bon, je répare la douche, parce que sinon tu vas encore faire la gueule. J'ai mon banc de muscu. Ça, je peux admirer. Fait remonter la maison, ça fait pas augmenter la télé pour l'augmenter, c'est le truc là-bas. Ouais, j'y vais, attends 2 secondes. Voilà, c'est ça. Admirer une tête qui tire la langue, c'est sûr, ça augmente le divertissement. Faites tout ça chez vous dès que vous vous ennuyez. Dessinez un petit bonhomme qui tire la langue. Oh mon dieu, quel divertissement. Roxana Moxie, où es-tu? Fais chier, elle est pas là. Normalement, elle est souvent là, quoi. Stevie Bogos, bonjour. Bon bah tant pis.
Salut toi. Tu veux parler du travail? Ah non, non, des livres, non, toujours pas. Du surnaturel, encore moins, la cuisine. T'en as rien à foutre, là. Oh putain, mais t'aimes rien. Je t'amuse, mon gars. Le passe-temps, les extras, non. Les jeux, la cuisine, t'en as rien à foutre, c'est vrai. Les ninjas, ah mon dieu, mais t'aimes rien. Le sport, le fric. Ça ne m'étonne même pas. Alors... on va retourner au toilet. 15h. Ah, j'aurais aimé voir mon amie Roxane Moxie. Mais il n'y a pas moyen. Elle était là, t'es pas là. Bon. Ce que je propose, c'est d'acheter... Oh, attends, on va voir si elle est là-dedans. Non. Apparemment. Je vais acheter le dernier Zyle là pour l'argent. Comme ça, je pourrais améliorer la bécane. Je sais pas c'est de quoi déjà qui est le mieux pour la bécane. Je vais voir. Alors, le châssis. Déjà super turbo, ça c'est important. Putain, ça coûte 800. Alors, poids restant. 0 si je prends ça. Course augmente la vitesse maximum. On va prendre ça. 15 secondes de turbo, 20 secondes. Faudrait que je sois super. Ça augmente mes kilos. On va prendre l'éclair. C'est trop lourd pour rester en moi. Ah non, merde, j'aurais pas dû prendre ça. Ah bah, je vais prendre une routière au pire. C'est trop lourd pour votre moto. Je serais trop grade alors. Trop lourd. Non, je vais prendre un micro. Ah, je fais de la merde en fait, j'aurais dû rester là-dessus. Je prends un léger déjà. Ça, je prends un super. Ça, ça augmente ma vitesse. Et ça, une suspension. Bon, j'en ai rien à foutre en fait. Voilà. J'ai fait des achats inutiles, mais c'est pas grave. Et c'est entre 17h et 18h, c'est ça, je dois affronter Rocky. 18h à 19h. Ah bah, j'ai le temps de faire une petite sieste. Si je me gourre pas d'endroit, bien sûr. Je ne vais pas trop vite. Oh putain, bon bah l'heure est passée, tant pis. Au moins on aura le temps d'aller affronter Darius, on fera ça le lendemain. Et petit... Putain, mais elle était assise dans mon salon l'autre là. La hippie. What the fuck. Avec un peu de chance on va croiser Roxana. Oh yeah. J'ai les sous. Tiens, je te drague. Et les voitures, t'aimes pas les voitures? Ouais, je parlerai à Léo plus tard. En attendant, je vais aller voir ce qui se trame dans le... Voilà. Salut, mon point de démange, je veux me battre. Je peux laisser personne entrer. Moi, je fais fondre... Ah merde, c'était le truc avec... Oh là là, je me gourre tout le temps, je suis trop nul. Ce n'est pas ma journée. C'est une catastrophe. Je suis désolé, maman. Je fais de la merde, je sais. Je fais n'importe quoi. Anyway, on va essayer de trouver Léo. Léo n'est pas là. Tant pis. Eh ben, c'était une journée de merde. C'est pas grave. En attendant le lever du jour, je vais aller m'entraîner un peu. Oh yeah. Allez, spam. Spam de l'infini. Désolé si je fais du bruit avec mon micro. Non mais c'est dingue. Eh, hey, t'as pété mes chiottes. T'es sérieuse? Sérieux, elle a pété mes chiottes. What the fuck. Attends, je vais aller à la douche. T'es sérieuse là de faire ta petite séance devant moi? Sur le paillasson. Devant le paillasson. Attends, je vais changer la couleur. Oh, il est en bleu, c'est stylé. Je vais aller faire une sieste.
Ok. Vas-y, prends ta douche, mais pète pas la douche, t'en prie. Ah bah là, t'es blonde. Là, c'est cohérent. Et t'as tes chaussures dans la douche, non? Sérieux? Ah non, t'es en chaussettes dans la douche. Bon, bah très bien. Encore mieux. De mieux en mieux, cette fille, hein. Bonjour, je veux prendre un cours de cuisine. Alors, B nourriture, sinon A sandwich, délicieux, boulanger, couteau, patate, 12 douzaines, souris, merde, grand-père, pois, merde, macaroni, lardon, jambon, patate, c'est plâtre. Je fais de la merde. Incroyable. 11h44, il y a moyen que je fasse un métier. Je vais faire vite fait le docteur Marc au père. Et puis après, ce sera cool. Je pourrai aller affronter Rocky. Et après, Darius. Alors, tac, tac. Putain, je le vois pas dès le début. Si, c'est bon. Ouais, c'était le même dans le sens inverse. Nice. Ok. Ok. Merde. Non. Fuck me, j'ai fait un gros fail. 600, c'est cool. Et 675, c'est mieux. Ok. Putain, 750, je suis bon, là. Merde. Non, je l'avais... Fuck me. Oh ouais, upgrade. Putain, je suis docteur niveau 4, quoi. Il faut quoi pour monter encore une fois? Niveau 4, quoi. 8 en logique et 5 en cuisine. Très bien. Ce sera pas pour maintenant. Allez, maintenant je vais aller affronter Rocky, mon ami. Enfin, mon ami. Rocky, la terreur. Et puis c'est la première fois que je vais faire le métier en plus, et c'est le pire. Je l'aurais jamais fait de ma vie. J'aime pas du tout ce métier de toute façon. Allez, la course contre Rocky rare. Alors appuyez sur A pour accélérer, le bouton B pour le turbo, L et R pour lâcher les armes sur la route, ok. Ok, moi je dis sous le temps le turbo. J'en profite, j'en ai à fond. Ouais, en plus les tours ils se font tranquilles. Parce que je lui mets. Yeah! D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a Trial Fusion qui va sortir. Et je pense que je vais vraiment me le prendre et faire des vidéos dessus parce qu'il a l'air pas mal. J'ai jamais testé un Trial. Donc ça a l'air vraiment sympa. Enfin, j'ai déjà vu beaucoup de vidéos sur des Trials et tout. Dernier tour. Enfin, faut que je garde mon boost. Reste 2 barres, 1 barre. Ouais, c'est bon. Yeah! Je lui ai niqué la gueule. Et j'y ai presque mis un tour ou quoi? 186 flouze, et c'est bon. Elle est trop forte, ma moto, trop puissante. Tendu une clé de 12. T'es une bête sur deux roues, t'es un vrai mécan, Picti. C'est de ma faim. Ouais, merci, c'est de famille. Oh, pendant que je bosse, tu devrais réunir des gens pour piloter cet engin. Essayer de dénicher quelques MC2. Un peu d'émotion forte leur ferait pas de mal. En fait, Picky, tu peux prendre ma vieille moto. Y'a rien de tel pour faire une forte impression à l'égard et devant. Oh yes, merci. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Oh yeah, je peux même la repeindre. Je la repeins dans quelle couleur? Allez. Bleu, vert, d'autres couleurs, noir. Oh ouais, noir, c'est stylé. C'est la Batmobile. Oh putain, j'ai la Batmobile, les mecs. En plus, je crois que ça fait augmenter la petite télé. Regardez en bas. Ça fait augmenter la petite télé.
Yeah! Ça fait plaisir. Oh, par contre, je pourrais pas parler à Darius, enfin, faire le truc de Mama Sarbacan tout de suite. C'est quoi la suite de la quête? Persuader Polly. Ah, bah oui, bon, ça va être facile. En attendant, on va s'entraîner un coup. Je spam. Allez, nickel. On va accélérer. Putain, elle me prend toujours les chiottes quand je veux y aller. C'est une catastrophe, cette fille. Allez, hop. Putain, elle pète toujours les chiottes en plus, c'est ça le pire. Par contre, j'ai besoin de parler à des gens. Faut que j'aille parler à Polly de toute façon. Polynôme. Attendez, souvent. Ici, ouais, yes. Polynôme. Tiens. Susceptible de piquer américain, proche du zéro absolue, les bateaux sont plus rapides et bruyants que jamais. Intéressant, soit le temps de réfléchir à des informations, on se décide à la première expression de telle démarration. Allez, c'est bon. Ouah, je gagne un point de répute. C'est bon, c'est fini. Ah non, faut que j'aille parler à Alice Mabille et ça serait bon. Je peux avoir un cours. Non, pas cette heure-là. Bon, bah, c'est bien de me dire, va te faire foutre, Picti. Je peux te bosser, non, pas envie, j'aime pas ta gueule. Ah bah merci monsieur, ouais, de rien, ouais. Alors, Alice Mabille, elle est souvent là. Ou pas. On va faire l'aller-retour, peut-être qu'elle va spawn, ou pas, c'est pas son horaire. Fuck this shit. Attends, faut que je parle à Léo. Il est pas là, génial. Roxana, j'aurais te parler. Je t'aime bien. On parle à la cuisine ensemble. Je te drague. Je t'amuse. Ah non, tu veux pas que je t'amuse. Tu veux pas que je t'amuse, c'est vrai. Les jeux. Santé. Oh merde, il y a le carnaval à côté. Les groupes. Le surnaturel, non. La télé. L'espace. Oh oui, l'espace. Le sport. Ah merde, tu veux pas que je t'embrasse? Oh non! Ça baisse trop là. Shopping, marché aux puces. Et j'ai très faim. Ça tombe bien, il y a un petit restaurant là, de crevettes. Oh bonjour monsieur Molinaro. Tu vends quoi toi? Riz aux haricots, poisson chagrillé. Pain maïs, ragoût de gombo. Je prends le poisson chagrillé. Ça nourrit pas des masses ton truc, hein. Y a pas une perle par là? Non. Bon, je vais reprendre deux, parce que j'ai très faim. Allez, l'autre, je le garde au cas où. Léo a toujours pas spawn, je vais voir si Alice a spawn. Enfin, comment je me plante avec la moto? Hey! Je ne peux pas attendre plus longtemps, Picti, Guillermo, P.S. me harcèle pour que je conclue l'affaire des bateaux topeneurs au plus vite. Arrête tout, Alice, le parc est de nouveau ouvert. C'est pour ça que tous les gens sont là, je croyais qu'il était venu me voir ouvrir une mallette pleine de billets. Non, ces gens sont des fanats de bateaux topeneurs. Tu as vraiment le sens des affaires, toi. Alors, si la fréquentation reprend, le propriétaire ne voudra sûrement plus vendre. Exactement, je tentais ma chance et j'ai gagné. Ah, il est temps d'annoncer la mauvaise nouvelle à Guillermo Opias. Amuse-toi, Picti, tant que tu le temps encore. Eh ben, merci, madame. D'ailleurs, on peut le faire, là. Yeah, à l'abordage. Alors, le but, bah, c'est de foutre les autres sur les alligators, quoi. De pas aller sur les alligators, on a 3 PV. Voilà, ils perdent tous leurs PV, moi, je vais pas bouger, ils vont se suicider tout seuls. Voilà, en moins... Bizarrement, il me focus. Aïe. Ah non. Je vais rester dans mon coin.
Oula, faut que je fasse gaffe. Oula là 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 là. Allez, il reste plus que polynôme. Allez, crève. Non. Non, je veux pas aller dans les crocos. Laisse-moi tranquille. Allez, bouffe. Bouffe. Yeah. Bouffe. Aïe. Faut que je fasse gaffe, il me reste un HP. Je me bloque. Tu vas te suicider. Non, tu me pousses pas par là. Non, 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 elle a gagné. Je ne crois pas. Fuck, je suis trop nul. J'aurais dû rester dans un coin. Tant pis. Alors, il est 17h21. On va essayer de faire la mission avec Darius. Et puis, ce serait cool. Ce serait good. Attendant, on va dormir ici. Ah, la 23h minuit. Pourquoi vous bloquez le passage, les amis? Salut, mes points de démon, je veux me battre. C'est bon, tu peux entrer. Eh ben, bref, je vais fuir mon. Je vais fuir les murs du soleil avec mon âme. Qu'est-ce que tu racontes, bon sang? Alors écoute ça, je suis tellement costaud que les gens m'appellent la bombe 2. Moi, les gens m'appellent. Ouais, j'en m'appelle tête d'œuf. C'était pas tête d'œuf tout à l'heure, c'était quoi le ringard, je crois. Hein, c'est bizarre que ça ait changé. C'est bizarre ça. Bon, bref. Sérieux? Eh ben écoute ça pour voir, je suis tellement dingue que j'ai mis un blouson rouge pour aller à une corrida. Ben moi, Moulinar, il m'a mis à la porte de la prison. Quoi? Quelle blague? Laisse tomber, j'aurais plus à gagner avec ce Guillermo Péas qui me paiera pour te cogner, je me casse. Ouais, j'ai réussi. Bien joué, mon petit. La réunion s'est finalement déroulée sans accroc. Maintenant, nous avons plus d'un tour dans notre sac. Ces gamins au péage vient fouer son nez dans nos affaires. Quel tour? Quel tour, quel tour? Disons simplement que nous avons quelques amis au placé pour se réveiller les moindres gestes de Guillermo Péas. Génial, alors. Qu'est-ce que je toucherai? Qu'est-ce que je toucherai, mon argent? Quand est-ce que je toucherai mon argent? Mon Dieu, je vois des mots. Je ne vois pas des mots, justement. Ton argent, quelle cupidité! Oh, c'est bon, tu as vraiment pris de grâce. Prends ce livre de recettes. Il est dans ma famille depuis. Mais j'en ai rien à foutre. Un livre de recettes, quoi. Bon, c'est gentil quand même. Bon, maintenant je peux y aller. Et la mission, c'est terre. Et la réponse que vous cherchez repose au-delà des tombes. Là, y a rien. Ah! Et un bout de papier. Un autre. Avoir cette note. Sera une nouvelle plume à son chapeau. Ça vous fait pas penser à quelqu'un, ça? Trifon de Trétention. Mais ça sera dans le prochain épisode. J'espère que celui-là vous aura plu. Et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde, portez-vous bien.